Les palais baronials conservent encore le témoignage d'un grand moulin à l'huile hypogée des 400 mètres carrés. Comme pour beaucoup d'autres moulins à l'huile dans le Salento, il a été réalisé entre le 15e et le 19e siècle. Le moulin à l'huile hypogée est accessible d'un escalier. Désormais consommé par les temps, il permet d'accéder à la pièce centrale, constituée à l'origine par les bassins et les mêles, et à une zone réservée au pressage des solives, avec les bases dépressoires dites à la calabraise, les puits pour la collecte des olives et des fèves d'huile, et les bassins de conservation de l'huile. Aujourd'hui, il ne reste que la trace circulaire du bassin sur les terrains et quelques mêles en pierre. Il y a aussi une série d'autres petites pièces cressées dans la roche qui donnent sur la zone du bassin. Parmi ces pièces, on peut noter les tables avec les différents mangeoires destinés au repos des animaux.